Le chien berger allemand est une race de chien très répandue. Le berger allemand est une race de chien tirant son nom de son pays d'origine, l'Allemagne, où elle est apparue à la fin du 19e siècle. La Fédération cynologique internationale le reconnaît sous le nom de Deutscher Schäferhund, ce qui laisse à penser que durant des milliers d'années, des animaux proches des bergers allemands et de leurs cousins belges ou hollandais ont existé dans cette région d'Europe. Le berger allemand est un chien à la fois très sportif et élégant, grâce à sa taille souple. Son pelage est dense, rude et droit. Sa robe est noir-marron fauve, noire ou encore grise. Sa truffe est foncée, noire, ses yeux en amande de couleur brune et ses oreilles droites. Sa queue est tombante, touffue. Il existe deux variétés également reconnues, à poil court ou à poil long. Les bergers allemands sont des chiens très polyvalents composés de deux lignées. La lignée dite de travail, elle est morphologiquement faite pour être plus à l'aise avec des sauts et des exercices sollicitant son endurance, la vitesse de déplacement et la tonicité. La ligne de dos est plus droite que la ligne dite de beauté et le gabarit est de taille moyenne et athlétique. Il est de couleur grise, noire ou black étang. Le berger allemand de travail excelle dans les disciplines à haut niveau. La lignée dite de beauté, des critères morphologiques différents, robe noire et feu, même si l'on trouve de nos jours du gris et du noir, un poitrail très développé, ligne de dos formant une inclinaison de l'omoplate à descendre vers le bassin mettant en valeur la posture du chien. Il est fait pour pouvoir trotter longtemps sans fatiguer ses articulations. Il a été sélectionné pour les concours de beauté canine, générant ainsi des hypertypes, source de perte de capacité de saut pour les chiens dont la ligne de dos est trop plongeante. Il a tout de même gardé son aptitude de chien d'utilité puisqu'un certificat IPO ou IGP est obligatoire pour obtenir la confirmation allemande ou Corin. Le berger allemand bien dressé est obéissant. Il fait souvent preuve d'une grande intelligence. Il peut aussi être un très bon chien de garde. Bien éduqué, il n'aboiera qu'à bon escient. Le berger allemand incarne la polyvalence à la perfection. Chien de travail par excellence, on peut l'éduquer en tant que chien policier, de troupeau, pisteur et comme chien guide d'aveugle. Ce chien s'attache très vite aux humains et il s'adapte aussi très bien à la vie de famille, il faut l'éduquer fermement mais sans brutalité, car sous des abords parfois impressionnants et dissuasifs c'est un grand sensible. Il supporte mal la solitude. C'est un chien d'extérieur, qui apprécie les grands espaces et l'exercice. Il est sportif et a besoin de se dépenser régulièrement. À l'âge adulte, le berger allemand est souvent un chien très attaché à son entourage, il protège donc parfois instinctivement les enfants. Le berger allemand est un chien de travail, utilisé comme guide d'aveugle. Il est aussi capable de retrouver des rescapés victimes d'avalanches ou de tremblements de terre comme en Haïti. Son flair est aussi utilisé pour retrouver de la drogue ou des explosifs. Le berger allemand accompagne son maître n'importe où. Ainsi, il peut être parachuté afin de pouvoir effectuer des interventions particulièrement délicates. Plusieurs chiens policiers de cette race ont même obtenu des médailles en reconnaissance de leur courage après des actions ou des sauvetages spectaculaires.
Cette polyvalence est le résultat d'une grande complicité entre le maître et son chien, ce qui en fait un excellent chien de garde puisqu'il défendra les biens et la famille de son maître. Ainsi, l'éducation du berger allemand est un fondamental à ne surtout pas négliger. Il est né pour servir, mais doit subir un dressage, il faut l'éduquer. Sinon, on peut avoir un berger allemand incapable de s'asseoir quand on le lui demande. Le berger allemand est une grande aide dans les vies de certains corps de métier ou de personnes. Il a besoin d'activité physique et mentale. Si le maître vit en appartement, il devra lui ménager de longues sorties plusieurs fois par jour. Il faut savoir que ce chien a besoin de se dépenser, sport canin, agility, canicross, ring, pistage, rassemblement de troupeaux, balade et jeu de balle. Son plus grand plaisir est de faire plaisir à son maître et de travailler à ses côtés. Ce chien est connu pour être intelligent, obéissant et capable d'apprendre rapidement. Par conséquent, l'éducation du berger allemand peut commencer dès l'âge de 2 mois en utilisant un système de récompenses et de félicitations. Il est recommandé de commencer par l'apprentissage du rappel et de la propreté, puis de poursuivre avec des tours simples tels que « assis »,« couché »,« donne la patte » et d'autres commandes de base. En plus de cela, l'apprentissage d'un sport comme l'agility ou le canicross peut être bénéfique, mais il est important de ne pas exercer trop de pression sur le chien pendant sa croissance. Il est également conseillé d'envisager des cours d'éducation canine qui permettront à votre animal de compagnie de socialiser avec d'autres chiens tout en apprenant des comportements appropriés. Ce chien est facile à toiletter. Un brossage 2 fois par semaine est indiqué. À augmenter en période de mue, car le chien perd plus de poils au printemps et à l'automne. Il faut alors le brosser tous les jours. S'il est nécessaire de laver votre berger allemand, choisissez un shampoing spécifique pour chien. Les produits détergents ou les shampoings pour humains ne sont pas adaptés aux animaux. Attention! Les griffes du berger allemand peuvent pousser assez vite. Si besoin, vous pouvez prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour une taille de griffes. Il est recommandé de brosser les dents de votre chien pour éviter la formation de tartre. Sachez que le détartrage est pris en charge par l'assurance santé animale Santévet. Pour garantir une bonne santé à votre chien, il est recommandé d'opter pour des croquettes de qualité plutôt qu'une alimentation faite maison. Cependant, le choix de la nourriture doit être adapté à l'âge, l'état de santé et l'activité physique de votre chien. Il est conseillé de demander l'avis d'un vétérinaire qui pourra vous orienter vers une gamme adaptée et calculer une ration journalière. Si vous souhaitez préparer vous-même les repas de votre animal, un vétérinaire nutritionniste pourra vous aider à établir une alimentation équilibrée. Pendant la période de croissance, votre chien aura besoin d'une alimentation spécifique pour favoriser son développement. Il est important de choisir une gamme adaptée et de ne pas changer de marque trop souvent pour éviter des troubles digestifs. Les repas peuvent être fractionnés en 3 fois par jour jusqu'à l'âge de 6 mois, puis en 2 fois par jour. Lorsqu'il est adulte, votre berger allemand doit recevoir une alimentation adaptée à son mode de vie pour éviter une prise de poids excessive. Il est recommandé d'opter pour une alimentation stérilisée, senior ou pour chienne en gestation en fonction des besoins de votre animal. Il est important de respecter des horaires fixes pour les repas et d'éviter de donner des restes de table à votre animal. Il est également essentiel de ne pas faire d'exercice intense avant ou après son repas pour éviter le syndrome de dilatation-torsion de l'estomac, qui peut mettre sa vie en danger. Si vous remarquez que votre chien essaie sans cesse de vomir après un repas, ainsi que d'autres symptômes tels qu'un abdomen gonflé et douloureux,
une grande agitation ou une difficulté à respirer, consultez un vétérinaire en urgence. Le berger allemand n'est pas un animal particulièrement fragile, mais il peut avoir quelques problèmes de santé. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.